Je peux faire ça, les gars. Donc, let's go, les gars, on va découvrir un petit peu Torchlight. Ah, par contre, attends, ça joue avec les classes A, Z, E, R, F. Ok. Par contre, j'aime bien la qualité graphique du jeu. AD. Et comment tu vas sinon, JZDT? Ça va, le gros? Mangez le. Oh, je dois. Mangez le petit. Franchement, pour le moment, j'aime bien le gameplay, comment on joue. Eh, gros, il faut qu'on se tienne au courant de quand sort Diablo. Hein. Obligé, on le fait. Hein. Ah, oui, oui. Diablo 4, là. La forme, j'ai pas pu participer à l'event, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais il y en aura d'autres. JZDT, on fait un event à chaque fois qu'on passe les 1000 abos. Donc, t'inquiète pas. Et je pense que le prochain, on essaiera de faire un truc sur Discord. En mode un petit sondage pour savoir la date où ça serait le plus propice pour le faire. Ouais. Histoire de, d'essayer de contenter un petit peu tout le monde, tu vois. Ouais, c'est vraiment. Voilà, on a eu un max de gens en disant. Ah. On peut pas le faire. Ah, bro. Ouais. Salut Alector, comment tu vas? Ah, plus haut, je dirais que c'est nickel le live là. Ouais, pour l'instant, je suis en vert. J'ai eu un petit peu d'image perdue là, mais pour l'instant, je suis en vert. Donc, ça. Donc là, on est en train de tester avec Eckhart le jeu Torchlight Infinite. Donc, quoi, ouais, c'est pour ceux qui kiffent Torchlight, bah, c'est le free to play qui est sorti. Donc, on va voir ce que ça vaut. Après, pour le moment, apparemment, de ce que j'ai compris, il n'y avait pas vraiment. Deux modes multi, mais ça va arriver vu que le jeu est en jeu en accès anticipé. Ça va arriver, les gars. Donc, oui, de toutes les façons, je suis dans la guilde donc je ferai les dernières news. Et ben voilà, exactement. Attends, je me suis fait poutrer là. À un moment, tu te fais gangbanger, frère. Ouais, j'ai vu ça. Mais ton perso, il reçoit un buff de taré. Hein. Ça va bien et vous, pas trop crevé, content de l'event de ce soir? Ouais, content. En vrai, ouais, on est content avec Eckhart. Ouais. Il faut dire quand même que sur YouTube, là, avec l'event, on a pris une soixantaine d'abonnés, donc ça fait plaisir aussi. Des gens qui étaient soit pas abonnés ou qui découvraient la chaîne, etc. Donc c'est toujours plaisant. De découvrir et tout, et ça nous aide de ouf pour la suite, donc ça fait extrêmement plaisir aussi, quoi. Ouais, par contre, j'ai pas compris pourquoi dès le début du jeu, tu fais des attaques à du 2 millions. Nous, vous savez, du moment que les gens, ils ont passé un bon moment, etc., nous, on est content avec Eckhart. Hein. C'est ça. Le but, c'est de remercier la communauté, hein. C'est pas forcément de prendre masse abonnement ou quoi, mais ça fait toujours plaisir quand il y en a, quoi. Ma touche D pour parler, elle marche pas, moi je le vois pas. Ah, moi ça marche. Ah, mais je peux même plus attaquer, je ne peux. Ok. J'aime bien le jeu en vrai. Hein. Faut trop qu'on se trouve des jeux en vue comme ça là, à se faire ensemble. C'est top, ouais, c'est cool. Et vous, vous avez kiffé les vins, vous avez passé un bon moment? Bah ouais, donc ah,
avec cette vue, tu as pas de surexilé Diablo. Ouais, mais on a fait Diablo Immortal. Moi, j'avais déjà fait Diablo 3. Et là, avec Eckhart, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On attend avec impatience Diablo 4. Fille étrange. Tu sais, ils sont pas fichés pour le pseudo de la gonzesse. Hein. Fille étrange. Voilà, ça, c'est le perso des cartes, les gars. Ouais, il a vu des boobs, il a vu une main en feu, l'autre en glace. Il s'est dit, c'est bien ça. Oui, c'était super, surtout la traque à la fin. Ah bah, tu vois, les gens ont kiffé. Hein. Ça va, hein, les gens, ils ont kiffé. Après, le gros problème qu'on a, c'est que sur Wakfu, c'est compliqué d'essayer de faire quelque chose pour innover en termes d'event, parce qu'on n'a pas énormément de possibilités sur le jeu. Et si on fait pas du PVP ou de les cache-cache ou des petits quiz, etc., c'est très très compliqué de faire mieux. Hein. On a eu l'idée de la track, on essaiera de peaufiner, d'en faire peut-être plus le prochain coup, mais il faut réunir des gens et tout, c'est un peu compliqué après. Mais c'était cool. Cache-cache, je trouve ça top, la track aussi. Ouais, de toute façon, le premier event, le cache-cache, c'est pareil, c'est ce qu'il y avait le plus. Et là, ça a plu aussi, et la track, c'était cool. Donc, franchement, je pense on continuera d'essayer de trouver des trucs. Hein. Oui. Mais on est content que ça plaise, en tout cas. On est content que ça a plu. On est content aussi de... On a recruté beaucoup de monde dans la guilde. On espère que les gens vont jouer et qu'ils vont rester. Mais après, on verra par la suite. On va essayer de se concentrer un petit peu plus sur la guilde. Proposer des... Attends. Mais ouais, on essaye, les amis, on essaye. Hein. Ouais, j'ai définitivement un souci, moi, mais... Ah, t'as pas ton clavier désactivé ou... Non. D'accord, ben relance, hein, qui te relance le jeu, en vrai. Hein. Peut-être le jeu qui a bugué. Hein. Ouais. Ben ouais, ça va rester, ça joue actuellement à Wakfu. Ah ben ça fait plaisir, hein. Tu sais, on recrute beaucoup, mais il y a beaucoup de monde qui se barre avant, qui se barre au bout d'un moment, enfin qui se barre, qui se connecte plus, etc. Hein. Le son des cartes est assez faible. C'est parce qu'il parle pas fort, le frérot. C'est parce que voilà. Et si je parle comme ça, c'est bon ou pas, les gens? Je peux essayer de monter un peu son son si vous voulez. Un petit peu, ouais, au pire. Ouais, j'ai monté de 100%. Un petit peu. Ils vont dire là, il parle trop là. Il a dit de fermer sa gueule. Voilà. faut que je relance le jeu, s'il vous plaît. Quand non, j'ai... MDR, j'ai une mise à jour de 6 secondes. Le troll, quoi. Quand tu vois, j'aime beaucoup le style graphique. Ouais. Par contre, attends, il n'y a pas un truc où on peut ramasser automatiquement ? Ah, ramassage. Pas de, Ah, le ramassage de auto n'est pas disponible car aucun esprit de pacte me suit actuellement. Bon, bah, je crois que le jeu il avait entendu que je me posais. T'aimes pas les pactes, même dans le jeu. Ouais, ouais. De toute façon, je suis un joueur Berz donc je suis une merde. Et j'ai pris quoi? Un perso Berz. J'avoue. Tout nous suit en fait. On a le même comportement sur Wakfu. C'est trop ça. Bah ça va, JZDT ou Alctor, vous aimez un petit peu découvrir des jeux, même si c'est pas Wakfu, vous regardez un petit peu ou vraiment vous êtes focus que Wakfu. Je demande à chaque fois aux nouveaux qui débarquent dans le chat, parce que vu que bah, moi particulièrement, ou même Eckhart de temps en temps, on aime bien faire d'autres jeux pour souffler un petit peu de Wakfu, ben on aime bien qu'il y ait des gens sur les lives quoi. Donc c'est cool, ça nous permet de voir un petit peu s'il y a des gens qui vont être là ou pas. Moi, je suis pas Wakfu à la base. Attends, oula. Ah. Je suis déjà mort. Moi, je suis pas Wakfu à la base, j'ai commencé le jeu il y a peu, donc je regarde, joue un peu à tout. Ah, ça, ça fait plaisir. Bah, tu vas kiffer la chaîne, alors. Et si t'aimes le let's play, n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne Fatalis TV. Non, Fatalis Gaming sur YouTube. C'est que du let's play. Il y a 2 vidéos qui sortent par jour. Des fois, il y en a plus quand il y a des grosses nouveautés.
Donc et si t'aimes bien les pizzas ananas, n'hésite pas à bien te faire foutre. Quel rapport avec les pizzas ananas, tu m'expliques, Ecart? Je voulais caler ça. D'accord. Je voulais caler ma haine. Oula. Perso, vu que je suis nouveau, je suis full wakfu, je joue Kassa en ce moment, mais je regarde pas mal d'autres jeux. Ah, c'est parfait les gars, si vous kiffez. Moi je kiffe, si vous kiffez, moi aussi. J'adore jouer à plein de jeux, moi. C'est le grand malheur des cartes, justement. Que je joue à plein de jeux. Voilà. Parce que du coup, je farme pas autant que lui sur Wakfu. Après, il dit, ah mais faudrait quand même qu'on stuff nos persos. Ah bon? Ouais, mais tu me connais, je peux plus être focus que sur un jeu. Même si ça va quand même, je joue en moyenne 4 à 5 jours par semaine sur Wakfu. Quand il n'y a pas des grosses nouveautés de jeu que j'ai envie de faire, quoi. Mais tu sais qu'en ce moment, moi, je farm pas mal. Et avec Bukuni et tout, on se met en pacte. On arrive en ce moment à vraiment extraire et tout. On arrive avec des astuces. Mais ouais, mais moi, le problème, c'est... On en a parlé, d'ailleurs, sur le live de cet après-midi. J'ai, moi, en pacte, c'est mort, quoi. En live, moi c'est mort totalement, mais je suis persuadé qu'en pacte, tu te mets le pack 50%, tu vas farmer de l'éther. Je suis persuadé que les retours PA, ça pleut à une vitesse, laisse tomber. Ah mais hier, on a fait un test, j'ai pris une potion de butin, une potion de sagesse, ça m'a coûté 1 million de kama. Hein. Bon bah c'est... voilà, tu vois, j'ai mis le pacte, mais le perso qui avait le pacte plus les potions, il dropait à chaque combat. Tous les 10 minutes, il tombe à une redoute. Ouais. Mais je pense qu'on verra. Je vais pas m'avancer et dire de la merde, mais on verra. Mais peut-être si on a des périodes où il faut vraiment qu'on tryhard pour du stuff, peut-être je liverai qu'un jour sur deux. Et on fera une soirée, genre full pacte. J'en aurai été des roses éternelles, etc. Tu vois. Ouais. Il y a un début à tout. Ouais, il n'y a pas de problème, Hector. Tu peux être tout nouveau. Il n'y a aucun souci. Nous, on n'est pas racistes des nouveaux. T'inquiète pas. En vrai de vrai, nous on s'en fout parce que notre objectif avec Ecart sur le long terme c'est de se stuff à tous les paliers de level pour justement jouer avec la guilde à tous les paliers de level. C'est à dire que vous voulez faire un donjon 140, ben bah, let's go, on se met 140, on se met du moins la tranche de 140 et on vient jouer avec vous quoi. C'est le but, notre but il est là. Après on verra si on y arrive sur le long terme parce que c'est quand même très lourd pour ce stuff mais. Mais ça va le faire. Et tu vois, avec la guilde, j'aimerais bien, tu sais, les emmener dans notre objectif. Tu vois, là, on va avoir un event qui va porter sur le donjon Chacha. Bah, pourquoi pas le prochain DJ, un donjon Bouffetou. Après, un donjon Nana. Tu vois, et petit à petit, ils seront stuff partout, tu vois. C'est ça. Non, mais il y a des trucs à faire. On va réfléchir. On fera évoluer les gens dans la guilde avec des postes, avec des récompenses, des trucs. Il faudra qu'on fasse si vous voulez monter en grade, peut-être on recrutera de nouveaux bras droits, etc. Parce qu'en vrai on en a qu'un, c'est votre coffre. Donc peut-être qu'on recrutera aussi d'autres bras droits et tout. Donc vous inquiétez pas si vous voulez évoluer dans la guilde, voilà. Hein. Ouais. Et puis pour ceux qui voudront faire l'aventure monoconte, etc. Ben comme on a dit avec Ecart, on va créer une guilde sur monoconte et on mettra des bras droits pour la gérer. On gardera le lead nous pour pas qu'on se fasse stage ou quoi, mais on mettra des bras droits pour la gérer parce que nous on va pas être 100% sur cette... Ouais. Attends. D'ailleurs grâce au Kama que j'ai pu avoir durant votre event, j'ai pu mettre en vente une sublimation que j'ai obtenue, Influence 3. Si ça se vend, je devrais avoir un peu de Kama. Ouais, ça va se vendre. En ce moment, les gens ne veulent pas faire de donjons gelés car tout le monde trouve ça trop long. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je l'ai pas fait, je l'ai fait il y a très longtemps, le donjon gelé. Il me semblait pas qu'il était si long que ça. Bah, en fait, il est long parce que tu dois invoquer tous les boss et petit à petit. Enfin, c'est un donjon 4 sables, tu vois. Donc, ah ouais. Rien que ça, c'est long, tu vois. Mmh. Ouais, mais après, dis-toi que plus c'est long, plus c'est bon. Non, plus tu prends d'XP. J'aime beaucoup la patte du jeu. Ouais, c'est cool. Je pense qu'il pourrait être cool ce jeu quand ils vont sortir les modes coopératifs, multijoueurs et tout. Bon, en tout cas, c'était bel et bien un bug. Hein. J'ai retrouvé mes touches. Moi, ah, ça c'est cool.
Apparemment, l'histoire principale, elle ferait 10 heures. Ouais, c'est petit, ça va. Ouais, pour le moment, après le jeu, le jeu est en accès anticipé, hein, donc il n'y a pas encore tout. Ouais, ouais. Peut-être que ça y aura plus d'extensions. Mais après, ça, les donjons sont. Apparemment, les donjons et tout sont refaisables à l'infini. Je vais devoir vous laisser. Je vais aller me coucher. Mais pas de soucis, merci d'être passé, du coup. Malgré qu'on a mis un peu de temps à relancer. Mais ça fait plaisir, merci à vous les gars. Je passerai sur les prochains lives. Mais pas de soucis, Hector, on live tous les jours. Tous les soirs, je suis en live de 20h à minuit, personnellement. Et après, les week-ends, ça dépend de ce que je fais. Si je taffe ou quoi. T'as vu ça ou pas? De quoi? Quand tu cliques en haut à droite dans le petit plus, t'as un pouvoir que tu débloques. Et dans ce pouvoir-là, t'as complètement un arbre de talent. Ah oui, l'arbre de talent, j'ai déjà. Ah ouais? Ouais. Putain, je le trouve bien, moi. Ah oui, moi je l'ai. Oui, mais je veux dire, je l'ai déjà. minuit, c'est noté. Ouais, en temps normal, si j'ai de la connexion, c'est 20h minuit. Mais en ce moment, ma connexion est un peu capricieuse. Hein. Donc, pour le moment, c'est un peu. Je suis un peu dépendant de Mako, quoi. Mais voilà, en tout cas, le gros event est passé. Maintenant, on peut se reconcentrer un peu sur les. Il me reste 56 millions, je crois, de Kama. Donc, ouais. Je sais pas, t'as acheté beaucoup d'items déjà ou pas? J'ai vu que t'en avais pas mal de 230 sur. J'ai acheté 10 items, mais le truc c'est que je sais pas s'ils vont être bons. J'attends cette putain de mise à jour bêta en fait, je sais pas quand est-ce que. Mardi apparemment. D'ailleurs, ça, dit, ça me disait cet après-midi. Je sais pas si c'est ça, mais. Ok. Bah, je pense, hein, c'est le mardi généralement. Mais ça m'étonne que. Ça m'étonne qu'il l'ait pas déjà fait. Parce que d'habitude, quand il y a des bugs bêta, ils attendent pas une semaine pour les changer. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bugs. Mais là, c'est pas vraiment que les bugs, hein. C'est carrément des changements de classe et tout. Ils changent des passifs, ils changent des trucs. Ouais, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait pas les, qu'il y avait pas les passifs sur l'UPR, etc. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a des. Donc là, c'est des gros bugs, quoi. Mais j'ai dit, de toute façon, semaine prochaine, que j'allais faire une soirée sur la bêta pour tester l'Hélio, tout ça, quoi. Ouais, de toute façon, faut qu'on se concentre sur bêta. C'est là où on peut faire le maximum de conneries et apprendre. Ouais, ouais c'est ça. J'ai dit, j'attendais la mise à jour de la bêta. Et je ferai ma soirée, une petite soirée dessus. Faut que tu arrives à gérer ton Hélio et que moi j'arrive à gérer le Kra. C'est ça. Et ben, pas qu'Hélio, il faut que je check aussi un petit peu les modifs de l'Ossa. Oui, aussi, ouais. Et Sadida, je sais pas s'il y a eu des modifs donc. Non, je crois. Non, y a pas. J'aime beaucoup le jeu. Vraiment, je te le dis, Eckhart. Même... Bon, c'est dommage qu'il soit full solo pour le moment. Mais j'aime beaucoup le jeu. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais moi, j'aime bien. Pour le moment, il est bien. Moi, j'ai hâte de voir les prochains sorts que je vais débloquer. Là même, j'en ai qu'un là pour le moment. Là, c'est mon sort avec le clic. Ouais. Et. C'est un peu relou parce que tu fais pas mal d'aventures et ça se trouve la classe elle va pas être bien, tu vois. Je sais même pas c'est quoi le niveau max. Bah déjà il y a plus que niveau 45 parce que dans les talents on déverrouille un truc au niveau 45. Est-ce que tu trouves que c'est pas un peu con, genre la potion en sort En vrai, oui et non, parce que si tu joues solo, bah t'as pas de heal quoi. T'as personne qui te heal. Donc en vrai, elle est illimitée et tout, je trouve ça bien. Mais après, tu peux la monter en level aussi. Hein. Moi, elle est niveau 2 là, ma potion. Ok. Mais ça va. Parce que encore, si on jouait en groupe, il y aurait des. Non, je sais pas, toi tu trouves ça con? Bah, moi je trouve qu'en vrai, ça. Normalement, une potion c'est inconsommable quoi. Ah, mais là, est-ce que c'est pas un sort potion? Ah. Pourquoi ils me disent un nouveau nœud de talent est débloqué? Je peux rien faire avec mes talents.
un nouveau nœud de talent disponible. Faut le dénouer du coup. Ah, peut-être pour le niveau supérieur. Ouais, c'était ça en fait, d'accord. Mec, j'ai ouvert mon truc de talent et j'ai entendu le jeu me dire Wazen. Je te jure. Ouais. À la vie. T'es matrixé. Je suis partout maintenant. Je te jure qu'il m'a dit Wazen. Toi aussi, vous rêvez tous à moi ou comment ça se passe? Oh, il y a un lance dur. Je combats un lance dur. Non, un forge lance. D'ailleurs, c'est quand qu'elle sort cette série là? 1er mars. Qu'on devait prendre ADN là pour la check. Ouais. Bah elle sort premier mois. D'accord, ouais, mercredi quoi. Et du coup tu vas faire des reviews de cette série ou pas? Je vais voir, je vais me filmer en regardant. Quoi? Tu vas te filmer? Incroyable. Waouh. En vrai je regarderai si les épisodes sont cool ou pas, ah. Ou sinon j'en ferai des petits shorts découvertes en mode oh my god. En vrai, review, ça va être intéressant s'ils sortent pas tous les épisodes d'un coup. Parce qu'imagine, tu fais review épisode 1, mais alors que t'as tous les épisodes d'un coup. S'il y a des mecs comme moi qui généralement check tout d'un coup les séries, ça va pas être ouf. Ouais, j'aime beaucoup le jeu. En vrai, de vrai, j'aime énormément le jeu. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve trop stylé. Hein. Moi ça va. Putain, j'ai encore entendu Wizen moi aussi là dans le jeu. Bah on est d'accord, il dit Ryzen. Wizen en fait, mais comme il prononce vite, c'est Ryzen. T'entends ouais. Ryzen. Ouais. On est d'accord. Ouais, t'es matrixé. Hein. Bah, ouais, moi je me vois partout, c'est normal, je m'aime bien, tu vois. Et ton F il marche ou pas? Ouais, mais moi il se déclenche automatique en fait. Moi je sais pas ce qu'il fait frère. Moi il me permet de taper plus vite, plus fort. Moi je c'est ne cheaté, vois pas hein. De changement. Si moi c'est cheaté, je marche plus vite, je tape plus fort. Un petit peu dommage que le jeu soit pas traduit en français au niveau du vocal. Mais bon, on est habitué, Torchlight, ça a toujours été comme ça. Donc. Bam. Et je savais pas, toi, que t'avais Call of. Oui, je l'ai. Putain, moi je croyais que tu l'avais désinstallé. C'est Warzone que t'as. Je sais pas. Le Battle Royale, non? T'as pas acheté de jeu Call of? Non. Ouais, donc c'est le Battle Royale. Alors attends. Classement des héros, quoi. Ah mais ça y est, en vrai, j'ai 4 sorts, j'ai rien dit, moi. On peut faire une école de héros, c'est quoi le délire? Je sais pas si tu savais, mais on peut se mettre 4 sorts hein, en fait. Hein. Non. Ouais. Tu vas dans ton truc de sort et tu fais installer sur les trucs qu'il y a pas. Attends, mais quel truc de sort? Tu vas dans tes compétences. Et après, dans les compétences, bah, t'as le truc. Ah ouais! Ah ouais, mais boutique, il faut les acheter. Non, dans ton sac, t'en as. J'en ai qu'un. Attaque bondissante. Ouais, d'accord. La boutique pas chiante.
Tu cliques sur un sort dans la boutique, tu fais avoir et tu l'as. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ah bah d'accord. Non, pas chiant quoi. Ah, j'ai une tourelle qui me soigne, moi. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Oh, tu peux même améliorer tes sorts et tout. Wow. C'est bien ouais. En vrai. J'ai l'impression que mon perso il joue beaucoup tourelle hein, quand même. J'ai une tourelle de soin, une tourelle qui me recharge le mana. Peut-être. Ça joue pas mal de tourelles. C'est un peu comme le chaman sur roue, quoi. Faut poser les tourelles et après t'attaques. Ouais, je pense qu'on a vu ça doit être ça. Moi le mien il joue énormément bourrin. En même temps c'est fait pour. Mais j'aime bien. C'est vrai que je kifferais plus si c'était en duo comme Diablo Immortal. C'est vrai que Diablo Immortal, on n'a pas rejoué depuis. Hein. T'as même pas fini le jeu, toi. Ouais. Faudrait que tu le finisses, en vrai. Moi, je l'ai toujours, Diablo Immortal. Hein. Oh, je me suis fait défoncer. Il y a un mob, il était un peu dur, là. T'es fait défoncer, le mob était un peu dur. Comment ça, mon ref? Ben, je suis mort. Je suis mort, quoi. J'ai mouru, hein. T'as mouru? J'ai mouru. Le mobile est un peu dur. T'es niveau combien, là? 6, je crois. Ah ouais, je suis 5, moi. 75% du 6. Battleground. Although the scars of battle have been erased by the passage of thousands of years. Torchlight, the bridge has been. Mais j'ai des sorts, moi la vie, je sais pas à quoi ils servent. Faut vraiment que je lise. Ouais, c'est mieux. Ouais, j'ai beaucoup de stuff là.
J'ai plein de trucs, ils me disent vous pouvez pas l'utiliser avec votre arme actuelle. Ah. Du coup, pourquoi tu me proposes? Parce qu'on aime bien. Moi, je crois que j'ai un Kamehameha, faisceau brûlant. C'est le même. Ah oui, j'ai un Kamehameha. Oh, trop bien! Oh, trop bien, ce sort! Let's go! Je vais le spammer, je vais faire que ça. Ok. D'accord. J'ai pas tout compris de tout ce que je peux choper, mais moi je suis d'accord. Ah, je suis passé niveau 6 aussi, ça me fait plaisir. Giving your lies away. Tell me, why are mobs always attractive? Par contre, tu vois, je trouve que t'as beaucoup de sorts. Ouais. Et t'es un peu noyé au début. Ouais, il faut lire quoi. Ouais. Il devrait te faire débloquer les sorts un par un et après bah tu découvres en jouant, tu vois, si t'aimes pas bah tu le chars. Je pense, ouais, ça aurait été pas mal, ouais. Surtout que là dans la boutique ils te mettent même les sorts qui sont pas pour ta classe. Bah ouais. Ça va, il là, je pense, tu vois, c'est un jeu un peu comme Wakfu. C'est t'arrives, tu tapes build nanana et tu vois, ils disent les sorts. Ouais, c'est fait, quoi. Ouais, je pense, ouais. Faut tester en vrai. Après, le jeu, il est qu'à sa deuxième saison, donc je sais pas s'il y a beaucoup de build là-dessus. Ouais. Faut voir un peu ce qu'il y a de dispo en multi, tu vois. Genre là, je sais pas si on est encore dans le. Dans le. Comment ça s'appelle, dans le tuto ou pas, tu vois. Ouais. Je fais trop mal. Je viens de tester un sort, il fait trop mal. Ouais, quelque chose me dit que le sort tu vas le garder. Ah oui. En fait, je comprenais pas l'utilité du truc, mais tu tapes une cible mouvante, il fait quasiment rien. Mais dès que la cible elle est statique ou que c'est un boss, il t'encule le truc en deux. Ah ouais. Ah ouais. Putain, nice. Toi, ça va, t'aimes bien ta classe pour le moment? Franchement, ouais, je comprends pas tout comment elle marche, mais j'aime bien. Surtout que les sorts, après, tu peux les améliorer. Tu sais, ils montent de niveau, mais tu peux débloquer des trucs secondaires au sort et tout. Ouais. Je loot des trucs, mais je sais pas encore comment changer d'équipement, tu vois. Bah c'est en haut. En haut, t'as un petit icône à côté de celui de la flamme. T'as un icône de d'espèce de sac. C'est là où t'as ton. Bah j'ai rien d'équipé, moi. Moi j'ai équipé, hein.
Et quand tes équipements, genre t'as installé ce que tu veux, les autres ils t'intéressent pas, tu cliques sur récupérer, tu coches la case tout en haut, ça coche tout et tu refais récupérer. Et tu sais, c'est un peu comme, Diablo, tu sais, tu récupères des composants. Ok. Comme ça te vide, ça vide ton sac, tu vois. Ah ouais, je fais beaucoup plus mal là, hein, d'un seul coup, hein, forcément. Et je tank beaucoup mieux avec du stuff. Hein. Use the spark to make your dreams come true. Recharger la trace de l'étincelle. Chercher. Tic-tac. Plus ça me fait penser un peu comme au début de Wakfu, tu sais. Plus tu te sors d'une compétence, plus elle monte. Yeah. D'ailleurs, moi j'aimais bien ce système. Toi, tu préfères le système oui. De maintenant ou comme avant? Tu sais, ou plus moi, tu te servais... Je préférais avant quand tu l'expliques. Ouais, c'était trop bien. Et ça te donnait un objectif secondaire. Regarde, par exemple, nous on est 230, et ben, on a plus rien à faire. Alors qu'on serait 230, ben, on pourrait toujours XP nos sorts secondaires. Ouais, c'est ça. Moi je trouve que c'était vraiment sympa. Après moi je suis pas... Mais par contre j'avoue que t'es débutant, ça t'encule. Hein. Parce que imagine t'es débutant, t'as monté les mauvais sorts, bah en fait ta classe elle est injouable frère. Genre... Ouais bon après ouais. Les sorts tu les montes easy, tu les montes easy quand même mais... Ouais. N'empêche quand j'y pense qu'est-ce qui me tarde que Waven ça sort. Putain. Il y a un mob, j'ai cru que c'était équipe Punisher, mais non, c'est Punisseur. Matrix, c'est le gars. Même penser un peu à, à Dauntless, la patte graphique. Ah. Trouve pas dans les graphismes. Ah, c'est éloigné quand même, hein, je trouve. Ah, les graphismes, je parle. Hein. Ouais. Un peu cartoon comme ça, me fait beaucoup penser à Dauntless. Putain, pareil ce jeu, qu'est-ce que je l'ai saigné. Toi aussi, tu joues beaucoup à Dauntless à un moment, il me semble. Ah oh, oui, bah c'était avec Quimi, hein, on rushait en fait. On jouait beaucoup. Vous l'avez vu mon perso à THL, il va tellement être pété. Mais tu vois ça, c'est un jeu qui pour moi, quand t'arrives dans le jeu et tu dis ah tiens mon perso à THL il va être pété, ça pour moi c'est déjà un bon jeu, tu vois, c'est signe qu'il est bien fait. Oui, dans le sens où il te donne envie d'aller à THL, c'est ça. Ouais, ouais, franchement, mais j'aime bien découvrir des jeux, moi. Après je sais pas, peut-être que ça va nous lasser au bout d'un moment, tu vois,
Genre si vraiment le jeu pour le moment il n'y a pas beaucoup de modes ou c'est juste tu refais les mêmes trucs tout le temps, bon ça va peut-être pas être super intéressant tu vois. Mais après une fois que t'es level max, t'as le temps d'attendre les nouveautés, t'as le temps tu vois, c'est pas comme un Wakfu etc tu vois, c'est plus comme un Genshin tu vois. Genre Genshin, tant que t'es pas level max, on va dire t'as des trucs à faire etc, mais une fois que t'es level max, que t'as tes persos maxés etc, tu peux te permettre de pas jouer pendant X temps et de rejouer quand il y a une grosse mise à jour, tu vois. Ouais. Je vois plus ce jeu comme ça, tu vois. Genre là, imagine on arrive level max parce qu'on joue un petit peu, tu vois. Et il n'y a toujours pas le mode multi. Et le niveau max, il augmente pas, etc. Ben, on peut laisser de côté le jeu et y rejouer dès que le mode multi arrive, tu vois. C'est ça. Mais on aura toujours nos persos niveau max, etc, tu vois. Ça, le jour où il y a le multi, on peut tout faire à deux et c'est tranquille, tu vois. Je crois que le niveau max c'est 50 ou 60 ans. Hein. Ah non, alors apparemment le level max c'est 100. Hein. Okay. Et apparemment t'es... on débloque un truc où on peut avoir une école de perso ou je sais pas quoi, donc peut-être qu'à un moment on peut changer de perso comme on veut. Bah, j'ai pas tout suivi. Bien ça. Donc à voir. Yes, je l'ai tué. Bam! Bon, t'aimes bien ton perso, toi? Ouais, j'aime bien. Mais c'est pareil, ouais, faut que je me pose pour lire. Je pense à un moment donné pour voir comment faire. D'accord. Là, je suis pas optimisé. J'ai pas mes trucs et tout. Moi, ça va, pour le moment, j'ai trouvé des sorts qui me plaisent bien là. Ouais, moi, j'ai des sorts, ça me plaît aussi, ça va. Ça correspond à ce que je joue. Mais ça se trouve, il y a mieux, tu vois. Oui, c'est sûr. Still alive?
quartier. Par contre, il faut que je modifie mes sorts parce que je peux plus utiliser frappe spirale. Ça, c'est chiant, ça. Ah, j'ai changé d'arme, du coup, et je peux plus l'utiliser. Ouais, effectivement, un peu. Moi aussi, j'ai pas mal de trucs comme ça. Mais tu vois, ça me fait penser à Albion, du coup, moi. Genre où ton personnage, c'est ton arme. C'est quoi ? Ouais. Là, ça change pas, c'est juste quelques attaques que tu peux pas. Ouais. Parce que il te demande de jouer tel ou tel sort avec, mais. Attends. Non, mais c'est pas plus mal parce que. En vrai de vrai, j'avais pas vu ce sort là. Quand je viens de battre un boss, frérot, je me suis mis bien au niveau du stuff là. Hein. Ah ouais? Ouais, il m'a donné du bon stuff. Hein. Et des pièces que j'avais pas, la ceinture et tout. Oh, ceinture quand même. Oh, ouais. J'ai pas de ceinture encore moi. Bah là, j'ai. J'ai quoi? J'ai l'amulette, ceinture, là il me reste juste les deux anneaux que j'ai pas. Et après j'ai bottes, j'ai la tête, le torse, le bras et les bottes en bleu. Ouais, mais t'es niveau combien? Je sais pas, 8. Je suis niveau 9, moi. Oh, bah alors c'est que t'as eu de la chatte sur le loot. Bah je sais pas. Bah GG. Mais j'aime bien. These ancient skill components and knows how to use it in combat. An excellent hunt. Oh, t'as vu, il y a des espèces d'événements avec des portails de gros boss à tuer. Oula, par contre, il y a des trucs payants aussi là. Hein. Ça y est, on arrive dans le côté pay to win du jeu. C'était sympa. Trop ça. Ok, des bonus de connexion. Allez suivre le compte officiel de YouTube, tu gagnes 20 trucs. Allez suivre le compte officiel Twitter, compte officiel Facebook, le compte officiel Discord. Ça va, vous voulez pas non plus juste la bite. C'est des influenceurs finalement quoi. Mais frère, on devrait faire ça sur le Discord. Si vous voulez avoir accès au Discord, vous devez être abonné. Si vous voulez ça, vous devez être abonné. Ouais, relou le gars. Oh, ça y est, je peux passer un pacte. Ouais, oh, nice. Ah, il y a un passe-combat. Déverrouillé. 17 euros. Ouah. C'est quoi ce passe de combat? Quand apparemment, t'as une nouvelle, t'as un nouveau perso et il a l'air d'être stylé. Mais 17 euros, frérot. Garde-toi le ton passe de combat. Sans déconner. C'est quoi ce passe de combat qui coûte trop cher là? C'est quoi ça? Appuyez pour sélectionner la compétence principale. Plus.
Ok. Sur le jeu. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Les gars, je vous souhaite une bonne nuit. C'était cool le live. Le jeu a l'air sympa. Amusez-vous bien. Mais merci à toi et puis à bientôt. Quand tu veux, tu repasses. Merci. Ouais. Ouais, moi, il me manque encore 4 items hein, sur mes drink. Items. Ouais, ouais. Ouais. Il y a trop de trucs. Je suis en train de faire les... machin, mais il y a trop de trucs. J'arrive pas à tout comprendre, là. Ouais, moi aussi j'ai un peu de mal, c'est on est noyé d'informations, on a ça. Tout ce que tu fais en fait, c'est t'arrives, tu cliques sur les récompenses et tu sais pas trop pourquoi tu les as eues non c'est plus, ça. tu vois. Il n'y a pas un système Bon, je sais pas toi, mais si on a les mêmes mobs, mais il y a des espèces de petites scies qui roulent, à chaque fois je les confonds avec les Pokémon, c'est avec les Donphan. Ah oui, mais c'est sur lui là que j'ai eu du bon stuff. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, il y a 3 nouveaux persos. Ah non. Niveau 10. Quel truc du merdasse. Ah, par contre, j'ai vraiment l'impression que pour le moment, ouais, c'est full solo le jeu. Ouais, c'est que solo. Pour le moment. Bon, après, on verra bien, écoute. Ce serait cool de savoir s'il y a du PVP sur le jeu. Alors là. Je sais pas, peut-être on débloquera après. Hein. Ouais. The dragon's blood and flesh transformed. Oh, mon perso il est devenu trop cheat. And it's through these ores that the dwarven civilization has been able to remain eternal. Mais mon sort, il fait beaucoup trop mal hein, sur les mobs, enfin sur les boss. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je le pose, la spirale en fait, vu qu'il bouge pas, bah, je one shot quasi le boss. Putain, moi j'ai un espèce de truc que je pose, c'est comme une espèce de tourelle, ça fait tellement de dégâts à tout ce qu'il y a autour. Ah ouais? Ah ouais, c'est pété. Hein.
En fait, moi, je suis pas très efficace sur du multi cible, mais par contre sur des gros boss, mais enfin je les one shot quoi, c'est vraiment trop easy. Ah ouais, du multi cible, si moi je suis ultra cheat sur du multi cible justement. Ah bah on est complètement l'inverse toi et moi alors. Ouais, mon perso c'est masterclass quoi. Ah mais me tarde qu'il multi hein. Franchement je pense que ça peut être un bon jeu en plus en free to play frérot. Si t'imagines tu joues, tu montes max, hop, tu rejoues quand il y a des extensions, quand y a des... c'est trop bien, je kiffe. Ah ouais. Mais entre temps bah t'as Wakfu, Even, de temps en temps un petit peu de Torchlight quand on a train pour changer un peu de jeu. Ouais, comme on a fait là. Bah ouais, de ouf hein. Bon là c'est con parce qu'on n'est pas ensemble mais... Ouais. Après, quand va y avoir Diablo là, oh là là, je pense qu'on va le sécher du jeu. Ah oh oui. Diablo 4, je pense, tant que je l'ai pas fini, je jouerai pas autre chose. Hein. Genre vraiment, on le termine et après, on peut faire autre chose, tu vois. Moi, ça dépend. Il y a des trucs à faire à côté, tu vois. Bon. Oui, bon, après, bien sûr, hors grosse sortie, genre s'il y a du. Grosse mise à jour Wakfu quoi, mais tu m'as compris quoi. Genre si on n'a pas de ouais. Grosse mise à jour Wakfu ou Even ou quoi, bon, tu vois, c'est pas parce que tu as pas joué une semaine à Wakfu que c'est la mort, tu vois. Non. Sans là, ça va être la bêta Waven là qu'il va pas falloir qu'on loupe. Ouais. Ça va être bien. Putain. Ben c'est qui ouais, Ren Palichon là. Il disait ouais, Waven ça me hype pas et tout. Je lui ai expliqué le jeu un peu l'autre soir là. Il a dit ah ouais. Ah ouais, mais en fait si, il est bien. Ben, je dis oui, de fou. Et tout est lié au compte, un PVP trop bien équilibré, machin et tout. Il m'a dit non, il m'a dit c'est pas possible, je te crois pas. Ah j'ai dit si si hein. Ah si, le PVP, en plus moi j'ai trop kiffé le PVP, il est tellement équilibré. Ah il est bien. J'ai fait deux combats je crois, moi j'ai pas trop poncé le PVP. Mais tellement bien. En plus ce que j'aime bien c'est que tu peux faire des builds différents tu vois. Ouais. Et puis ce qu'il y a de bien c'est qu'en vrai tu perds zéro temps sur le jeu. Tu vois parce que tout ce que tu vas faire avec un perso, ben tu récupères les items que tu auras droppés qui toi te servent pas sur une spé, te serviront sur une autre tu vois. Et tu perds pas de temps parce que si t'as chopé 50 fois un item machin quoi, ben l'autre spé elle va être bien avantagée aussi parce que tu vas avoir les items, les tout quoi. Et vraiment ça c'est quelque chose qui est vraiment trop bien pensé quoi. C'est pour ça qu'en vrai ça me dérange pas tellement qu'il y ait pas de commerce sur Waven quoi. Faut voir après dans les guildes ce qu'il y a, tu vois. Je pense qu'ils vont faire un système à la Clash Royale, je sais pas si tu connais. Ouais. Ouais, oui. Tu sais, c'est dans les guildes, par exemple, t'as besoin de, je sais pas, de tel emblème, etc. Bah, tu demandes à des gens s'ils ont des doublons de cet emblème-là et ils te les dépannent et tout. T'sais, oh, bon, ça, oui, ça peut être cool. Sur Clash Royale, c'était... C'était comment ça s'appelle des cartes. T'avais besoin de telles cartes et t'en avais besoin pour la montée de niveau. Bah, tu demandais le temps de trucs et si les gens en avaient, bah, tout le monde peut te lâcher genre un exemplaire ou quoi, tu vois. Ok. Je pense que ça va être ça, hein, le plus logique vu que tout est lié. Je vois pas trop comment ils pourraient faire autrement. Bah, ah, si c'est ça, c'est bien. Hein. T'as crash ? Ouais, mon jeu vient de crash. Oh, merde. Non, en vrai, je pense qu'il va être banger, le jeu. Ouais. Putain, après, on aura tellement de contenu à faire, frère, entre les WAP. Quoi, je suis mort, mais je l'ai tué. D'accord.
Faut qu'on pense mercredi à faire la vidéo récompense. Oui, moi aussi. On va voir si on sera plus chanceux. Ok. Tac. Ça va, en vrai, il y a quand même beaucoup de mobs hein, dans le jeu, dans les zones et tout. Hop. If I ever mutate, please let me die a human. No, I will never let you die. Quand j'ai l'impression que le jeu il s'adapte pas à mon écran. Genre mon truc de quête il dirait il est buggé. Genre je vois pas le nom de la quête en entier. Hop, attends, je reviens, Ryzen. J'arrive qu'à 2 secondes. Vas-y. Non, c'est toujours pareil. I will never use the spark to fulfill my own selfish desires. Ember is our only home. Let me prove it to you. Un peu abusé le sort. I'm still searching for the Aegis. I'm certain it isn't just a legend.
Anyone is on fire. The monsters born within these dragon bolts are becoming more and more like real dragons. Alors attends. Voilà. Le 898, si je mets ça. Ok. Yes, this is it. Ça y est, j'ai un pacte. On fait du pacte. C'est revenu. Track was abandoned over 30 years ago. But why are these mining carts working again? And I even see lumps of ember. Un peu facile le jeu là.
fighting from victory to victory. Voilà. Ouais, le niveau 10. Thanks for rescuing me. You're almost as brave as I was nearly venturing. Yet they attacked me like a soldier. Why would anyone attack a harmless little robot like me? Alors, ça avance bien. Ouais, ça va, je suis dans une mine là. Je suis monté niveau 10. T'as débloqué ton pacte ? Ouais. Bon, oui. Moi, je me crois au bout de 2 minutes. J'ai vu un mec qui voulait recruter dans la guilde. Robot, you don't look like Dwarven Tech. You look pretty good. Why are you moving away? Come here, so I can stun you. Hey, what are you doing? Stop touching me. Show me some respect. Robots have rights too. Je fais qu'à dire mourir. Putain, j'ai un de mes coucons, on est quand même 30 hein, dans la guilde, hein, frère. 3h du matin. Bah ouais. C'est fou. Ah bah, de toute façon, c'est ça. Hein. Plus on va recruter des gens qui jouent vraiment, plus ça sera comme ça. Hein. Après, bah peut-être ouais. Pas tout le temps 3h du mat. Ça, on est samedi, mais bon, c'est pas le plus important le 3h du mat, mais. Oui, oui. Bah de toute façon, il faut qu'on reste sur un format où bah, les gens jouent pas, on les tège. Hein. En vrai de vrai, ça sert à rien de les garder, ils jouent pas. Donc, et garder que des actifs, et à la fin, on va avoir des gens actifs, vraiment. Hein. C'est ça. Non, ouais, notre format, il marche bien, là, recruter à l'appel, mais au bout de 10 jours, t'es pas là, là, tcha tcha.
J'ai toujours pas eu les anneaux, moi. Toujours pas non plus. Bah, c'est pareil, là, il y a aussi Minecraft, la légende, là, quand il va sortir. Faut qu'on se le moi fasse, celui-là. Hein. Tester, hein. Ouais, j'ai trop hâte aussi. Hein. Hundreds were attracted by its light, and they left the underground kingdom with King Magnus. They are the la personne là qui me disait qu'on était super en youtubeur et tout là. Ouais. Elle me demande si je peux voc avec pour lui donner des conseils. À la limite, je lui dis de venir là et je la move, ça dérange pas. Comme tu veux, de toute façon, il est quelle heure là? 3h20, je vais pas tarder à aller au lit moi. Ok. Bah, tu me diras où. Ouais, ouais, parce que demain je vais pas me lever. Je la vois qu'à la fin. Trop tard, ouais. Ouais. Je vais finir la mission là et après je vais. Ouais, j'ai failli crever. Il y en a un, il me dit pour être recruté à la guilde, je me co, il est connecté. J'ai envoyé deux trucs et il répond pas. J'envoie MP, il répond pas. Merde. They sent a huge trog to guard this place. My brother has gone mad. Wow. Oh, j'ai eu des armes de ouf là. Ouais, augmentation de mon DPS depuis 59%. Ah oui, pas bête. Ça fait plaisir ça. Wow. J'en ai encore une mieux là. Une qui augmente encore mon DPS de 47%. J'aime bien là. Il va faire mal mon perso là. En vrai de vrai. Il va faire très très mal. Je suis passé d'un DPS à 80 à 197. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh, oh my god. We must figure out your brother's plan first. What is he
planning to do with the spark? You're right. We should ask someone. Je one-shot tous les mobs. Je crois que j'ai cheaté là. Oh là là. Je one-shot tout et en plus avec mon perso, je one-shot tout en zone. The sarcasm. Even my half-deaf ears can hear troops gathering. Un nouveau nœud. Ah, d'accord. Je vais te laisser, poto. Moi, je vais aller voir vite fait, du coup. Ouais, aider, vas-y. Vas-y, vas-y. Je te fais Diabajo, une bonne soirée. Ouais, ouais, t'inquiète. De toute façon, je vais pas tarder à couper. Je vais aller au lieu aussi. Ok, et bah bonne nuit. Demain. Bonne nuit à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao, poto.
broken iron badge found in a pile of miscellaneous items. The name on it is Quinn. Bon bah ça c'est fait. Franchement mon perso je crois il est cheaté là. Il est beaucoup trop fort là. Beaucoup trop fort. A dwarf hunting me down with trogs? By Magnus Razor. What the heck is this? Over there, please. Wait a minute. Thank the Holy Spirit. Finally, creature. I think I can communicate with. Allez, c'est parti. Dressing. Partner, doesn't it look like there's something off about the path he's taking? Forget it. We don't have time for that. We must get the spark back. Ok, là on est bon. Ouais, c'est pas trop compliqué là, il est cheaté mon perso maintenant. Attends, je sais pas si j'ai activé le... Je crois que c'est un TP qu'il y a ici. En tout cas, j'aime beaucoup le jeu. Hein. Ah non, c'est juste pour monter en haut. Tac, on va aller par là. Allez, on descend. Is he already able to mass produce them?
Allez, on va au cœur de Kazam. Elle est cheatée la compétence que j'ai chopée là. We're here. The capital of the Dwarven Kingdom. The heart of Kassan. Kassan was the first king of the Dwarven Kingdom. He... Oh! Ow! Ow! Stop showing off! Watch out for the automatons! Weren't here before. They seem to leave the king's throne. Is he sending all the energy extracted from the ember there? Il y a rien là en fait. Je suis venu là pour The Bee. Hop, et on descend les amis. C'est par là. Putain, je vais pas au bon endroit moi aussi, je suis trop con. Bon, tu me diras, je prends de l'XP au moins. Je le one shot tellement que. Oh là là, c'est violent. Just to see that young king reveling. Arrêtez le complot du roi. Nain. Ok, on va l'arrêter, hein, les gars.
On va l'arrêter et après on ira au dodo. Maintenant que j'ai vu un chest, trop facile. À vaincre le roi nain. Merde. Wow, 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 wow. Il faut que je fasse attention. Attention. Ouah, j'esquive la mort de ouf, hein. Ouh, c'est bon, j'ai tué. Tellement défoncé, les amis. Casse les couilles, lui. Sort.
Tac. C'est bon. Allez, on va voir. Brother, please give up. The dwarf king's voice gradually fades with his body. We should continue forward, partner. We must catch up to Lean. Aubaine d'esprit. Allez, voilà les tirages. Take care. That was no easy battle. You don't look very well. Oh, joli. Voilà, ça c'est bon. Torchlight. Partner! I know I'm not qualified, but I must form a pact with you. In the witness of calamity. Qu'est-ce que c'est fait là? In the name of your only crow, from now on, I will carry. Ah, on a un autre pacte avec elle du coup. Comment il y en a, ils sont stylés. Ok, attends, est-ce qu'on peut sauvegarder? Hmm.
Vous quittez le jeu. Ouais, je pense que c'est bon. Bon, bah allez les gars, moi je vais m'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne nuit à ceux qui vont au dodo. Et puis à plus tard à tous ceux qui louent la VOD. Bye bye.